Salut tout le monde, c'est Mister The White Knight et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play sur The Simpsons Hit and Run. Donc on va continuer l'aventure là où on s'est arrêté, c'est-à-dire devant le vendeur de BD pour qu'il puisse nous donner sa mission. Oh, ah non, c'était pas encore monsieur, le bon bouton. Pas marcher sans blesser quelqu'un. Désolé. Hey, Jabba le Gros, vous savez où je peux trouver une copie de Bonestorm 2 ? Pas le temps de discuter avec vous. Il faut que je sois le premier à enregistrer mon dégoût sur Internet à propos du dernier Ed McBain. L'action est nulle et la nudité est sexuellement frustrante. Vite, à la grâce mobile. Oh oui, je suppose, mais on doit vraiment l'appeler comme ça ? Alors, la mission Vox Techie. Arrivé avant les Techies au serveur Java. Je sens que ça va être drôle. Bon, ça sent la course-poursuite de toute façon, hein. Allez, on va essayer. Ça fait un moment que j'ai pas joué, donc j'espère que je vais m'y remettre assez facilement. Commence pas. Oula. Plein dans le mille, j'ai besoin de plus de puissance. Super. Puissance d'impulsion. Allez, ça va le faire. Oulololol. Chaud. Wow, arrête. Top. La galère. Bon, bah c'est raté. On va recommencer. C'est pas très grave. Bon, en fait, si j'ai un petit peu perdu la main quand même, hein. Va dire ce qui est vrai. Allez, dépêche-toi. Allez. Allez, dépêche-toi. Ah, voilà. No problemo. Bon, on va faire gaffe cette fois. Wow. Allez, c'est déjà mieux parti que tout à l'heure. Allez, ça va le faire. J'ai renversé mon... Ah. Oulala. J'ai été à l'université. C'est bon, ça passe tranquille. Votre quête de Bonestorm 2 est plutôt futile. Le professeur Frink a laissé un message sur mon site alt.animauxafourrure.fandefiction.net me disant qu'il a acheté tous les jeux vidéo qui restaient. S'il vous plaît, ne gémissez pas dans mon auto de taille moyenne. Et voilà, une mission de plus de terminée. Bon, je sais pas trop combien il y a de missions en fait. Avec Bart, je pense pas que ce soit... Ah si, ça avait été écrit là, je pense. Bon, il y a 7 missions. On a déjà fait 3. Donc je pense que ce serait... Suivant les missions, parce que je sais plus ce qu'il y a après, ça devrait être faisable de terminer les missions avec Bart dans cet épisode-là. Donc on va essayer quand même. Allez, rentre là... Non, tu veux pas? Alors, prochaine mission, on va y aller. Allez, va pour cette voiture. Non, c'était retour. Allez. Je sais pas trop demander, j'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture. Hop. C'est parti. Allez. C'est déjà mieux que la vieille bousine qu'on avait tout à l'heure. Hein. Franchement, rien à voir. Youhou. Le professeur Frink. Je veux jouer à Bonestorm 2, donnez-moi un. Impossible, cher ami à la tête pointue. J'ai besoin du pouvoir de la violence des jeux vidéo pour ma nouvelle création de monstres balafrés. Si tu me trouves une radio de la Deuxième Guerre mondiale et une antenne satellite, alors ma création vivra et on pourra jouer avec. Démon. C'est vraiment mieux que la violence à la télé. Qui aurait une radio de la Deuxième Guerre mondiale? Peut-être le type qui vend des grenades à Nelson. Je vais voir.
Alors, Barton Frink. Donc, trouver une radio de la Deuxième Guerre mondiale pour le professeur Frink chez Hermann. Ok. Donc, allez, dépêche-toi. Voilà. Faut suivre le camion. Bon, ça devrait pas être trop dur. Il suffit juste de le suivre, hein. C'est rien de bien compliqué. Allez. J'aurais pu passer par en haut en fait, mais bon, c'est pas utile hein, étant donné que c'est pas une course, donc allez, allez, allez. Oh là là, oh là là. Non, c'est bon. La musique est sympa quand même. Bien joué. Bon, je parle pas trop pour me concentrer au maximum. Wow, c'est bon. Mais le chef Wiggum. Wow, tu te calmes, toi. Eh ben voilà, je m'en doutais. Non, c'était encore pas le bon bouton. L'idiot du village, c'est quoi le plan? T'as pas entendu, Hermann a été volé. Eh, tu saurais pas par qui? Parce que si tu le savais, ce serait top. Oh non, où je vais trouver une radio maintenant? Ces marques fraîches de pneus quittant la scène du crime pourraient être un indice, mais qui peut l'affirmer? Bon, alors va falloir retrouver celui qui nous a piqué notre fameuse radio qu'on cherche depuis tout à l'heure. Bon, étant donné le portrait qu'on voit en haut à gauche de l'écran, il s'agirait du serpent. Donc il y a juste à le retrouver et à le coincer. En gros, on est en train de faire le boulot de la police, hein, je voudrais pas dire, mais on vient juste de croiser le chef Wiggum. Il vient juste de nous confier son boulot. Parler au serpent. Hé, hey, le serpent, ça boum! On se connaît, gamin? J'ai besoin de la radio que tu as empruntée. Pas question, je vais avoir plein de succès auprès des nanas avec cette radio. La dernière fois que j'ai vérifié, les filles adoraient les voitures de course, pas les antiquités électroniques. Pourquoi on fait pas la course pour savoir qui aura la radio? Oh, je suis d'accord avec ton offre. Ok, alors faire la course, je le sens pas trop, mais... Vilain. Ah! Bon, on va dire que ça va le faire. Y a pas de raison. Allez, 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 pousse-toi. Allez, pousse-toi. Et hop, on tourne. Chaud. Non, c'est bon. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Oh, c'est pas vrai. Hey! Wow. Oui, c'est bon, ça l'a fait. Donc on a récupéré la radio. Maintenant, il faut trouver et une voilà. Antenne parabolique. Il y en a de nos jours. Bon, quatrième mission terminée. Donc maintenant, il va falloir récupérer une antenne parabolique. Donc elle est au Krusty Burger qui est à côté du site de construction. Donc il va falloir récupérer apparemment une antenne parabolique. Bon d'abord si je pouvais préparer ma voiture ce serait pas plus mal. Où est-ce que je trouve ce que je cherche? Pas par là. Ça c'est une course. Oula, il va y avoir quelque chose. Ouais, là-bas. Oh, ouais. Voilà. Oh,
Hop. Ah, zut. Demi-tour. En avant pour la vitesse lumière. Ok, Krusty Burger est là. Clé de Slowpoke. Pas passé loin ça. Je crois que je me souviens de cette mission. Je crois qu'il faut récupérer des rats. Des rats plus. Ça me dit quelque chose. Hé, hey, monsieur le pec no coincé. C'est moi. Je peux vous emprunter votre antenne parabolique? Bien sûr. Si tu m'aides à ramasser ma viande froide, gentil môme de la ville, ces maudits douaniers n'aiment pas que je vende des cadavres d'animaux. Ok, donc trouver la viande froide avant la fin du temps imparti. Évitez Apu. Ok, donc c'est bien ce qui me semblait, il va falloir récupérer des cadavres de rats. Enfin, des rats écrasés, quoi. Pour Cletus. Oh, on gagne sa vie comme on peut, hein. Mon nom est Simpson, Bart Simpson. Avec la bonne musique de Pecno qui va avec. Oh là là. Et un bon véhicule pas très très maniable. Je vais manquer le match. Wow, wow, wow. Ça, c'est bon. Wow, 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 wow. Celui-là, ok. Ok. Ah. Mais arrête, Ok, ça c'est bon aussi. Wow, wow. Le prochain, il est là-bas. Tac. 9 sur 14. Donc, le 10e. Ah, il en reste plus que 4. Oula, 20 secondes, par contre, ça va être chaud. Deux. Non, ça devrait le faire. Si le 4e est là, donc c'est bon. Ok. Faut amener la viande au Krusty Burger et je pense que c'est là qu'il va falloir éviter Apu justement. Bouge-toi de là. Hop. Wow, wow, wow. Ça passe. Bon, le Krusty Burger. On n'est plus très loin, on va passer par là. Mets du beurre sur la blé. Non, dans l'autre sens. On va passer par là, c'est plus rapide. Surtout qu'il reste. Oh là là là, il reste plus énormément de temps. Ah! Putain, je conduis comme un manche avec cette voiture là. Ils savent pas encore, mais ils ont déjà perdu. Arrête, pousse-toi. Maintenant, on doit livrer. Faut s'éloigner d'Ap. Ok. J'espère qu'ils aiment se zander. Parce que moi, oui. Allez, allez, on se pousse. Wow, wow. Mais vas-tu me lâcher? J'ai 50 secondes pour en éloigner. Ça va être chaud. Allez, j'y suis presque. C'est le moment d'être. Yes, c'est bon. Faut ramener la viande maintenant. Sauf que je me suis un petit peu éloigné. Mais ça devrait aller parce que je suis. Non, c'est bon, je suis pas trop loin. Allez hop, c'est là. Et voilà. Les Krusty Burgers sont faits avec des animaux morts sur la route. Ça explique les traces de pneus. Prends cette antenne parabolique en récompense. T'auras 14 chaînes. La chaîne DVC inclus. J'adore la regarder. Merci, le débile profond. Oh, de rien. Ok. Et voilà l'antenne. T'as du gâteau. Ouais, c'était vraiment. Bon, où est-ce qu'il faut aller maintenant? Aller au stade. Ok. Par contre, je vais peut-être pas y aller à pied. Ah, y a pas de voiture. Non.
Non. Et puis c'est pas comme dans GTA, on peut pas piquer des voitures des autres. Faut absolument nos propres voitures. Une borne d'appel de véhicules en face. On va y aller. Allez. Endommagé 9%. Allez, on prend. Allez. Hop. On sait pas que le stade est très loin, mais à pied c'est super chiant. Wow, pas vu celui-là. Je devrais faire ça plus souvent. C'est trop cool pour hop. L'école. Professeur Frankenstein. Vous espériez que je termine un camion aux ordis sans un mixeur? Pourquoi je ne fais pas un plasmoclave sans raquette de tennis? Va me chercher un mixeur avec de la purée et de la liqueur. Où je vais trouver un mixeur? Docteur Nick, il adore boire des cocktails faits avec un mixeur pendant une opération. Ok. Donc cette fois, c'est parti. Donc on va aller récupérer un mixeur. Alors allez savoir pourquoi. Je n'en sais rien. Ah, voilà le docteur. Docteur Nick. Essayez de faire pareil. Salut, Docteur Nick. Bonjour tout le monde. T'as l'air d'un sacré buveur. T'as un mixeur? Pas maintenant. Mes singes m'ont échappé. Tu peux les attraper pour moi, je t'en serai très reconnaissant. Pourquoi ils reviennent pas vers toi? Parce que je les ai horriblement torturés. J'arriverai jamais à rentrer tous ces singes dans ma voiture. Vaut mieux que je trouve un gros camion ou quelque chose de ce genre. Je savais bien qu'il y avait une histoire de singe là-dedans. Vous devez conduire le camion de Monsieur Chasse-Neige. Achetez-le à Homer sur le parking de l'hôpital pour 200 pièces. Ah, pas cool. Donc on va passer une partie un peu plus chiante, hein. Récupérer 200 pièces. Ok. Donc faudrait que je monte là-dessus. 200 pièces. Va falloir caisser des trucs, hein. Ouais. Bon, je vais récupérer mon véhicule et puis on va aller casser quelques petits trucs. Histoire de récupérer nos 200 pièces. Hop. 162, bon, on y est presque, ça va. Bon, ça va. J'ai réussi à avoir ça quand même. Ils savent pas encore, mais ils ont déjà perdu. Donc ça c'est bon. Faire une course, non, ça rapporte pas d'argent. Alors. Tiens, bah là il y a des pièces. Bonne conduite, vieux. Et une guêpe en plus. Hop. Voilà. Bon, c'est bon, on les a. Ah, on les a largement même. Hop. Et voilà, 227 pièces. Donc on va pouvoir l'acheter le chasse-neige et faire la mission. Donc bizarrement, la mission en chasse-neige, moi je le sens pas trop, hein, parce que puis le véhicule bien pourri à conduire. Enfin bon. Hop. Homer se cache juste derrière. Ok. Là. J'ai besoin de ton camion, Homer. Pourquoi que je devrais te le donner? Parce que je t'aime. Paye les demeurés. Tu accuses ton propre fils? Oui, il faut croire que je le suis. Bon, bah c'est parti, 200 pièces. Ah non, je me suis planté. J'ai dit c'est parti pour 200 pièces. Voilà.